ce que nous réalisons en matière de cybersécurité. Pour mémoire, nous avions lancé il y a un an, pratiquement jour pour jour, ici à Casablanca, l'ensemble de notre portfolio qu'on appelle ICT, tout ce qui est cloud, data center et cybersécurité. On a inauguré, il n'y a pas plus tard que, c'était au mois de janvier, il y a 3 mois, notre data center à Rabat. Et donc aujourd'hui, on présente non seulement un rappel de ces offres de cybersécurité, mais on présente aussi l'avancement des travaux d'Inouï en la matière. Et on lance donc le premier observatoire national marocain de cybersécurité. Vous le savez, la cybersécurité, c'est un enjeu qui est un enjeu international, un enjeu national. Le Maroc est confronté, comme tous les pays, à des attaques, à des cyberattaques, et on se doit d'y faire face le mieux possible. Et au cœur de notre dispositif, donc, ce qu'on présente également aujourd'hui, c'est ce SOC, qui est un centre opérationnel de sécurité, de cybersécurité, hébergé ici à Casablanca, qui se base sur des expertises locales en matière de sécurité. Inouï fait de la sécurité depuis 15 ans. Et ce SOC, donc, on l'a construit en alliance avec Symantec, qui est le leader mondial de la cybersécurité. Et donc cette union, cette alliance entre deux acteurs leaders sur leur marché permet d'offrir, à notre sens, ce qu'il y a de mieux en matière de cybersécurité aux entreprises marocaines et aux institutions. Et on est vraiment ravis de ce partenariat, et on espère vraiment qu'il apportera le meilleur à toutes les entreprises. Puisque je le rappelle, la cybersécurité concerne pas uniquement les grandes entreprises, mais toutes les entreprises. 367 jours par an, scan, surveillance, détection, analyse et protection afin d'éliminer